Ça y est, FC24 est là, et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas, MMOXP, vous avez 5% avec le code ZOHO, le lien est dans la description. Ok les mecs, j'espère que vous allez tous très bien les gars, moi ça va nickel, j'ai une hype les gars, mais... Voilà, c'est la troisième vidéo que je fais en 15 minutes les gars, j'ai une hype je crois, elle est au-dessus les gars de tout, je sais pas comment vous dire les gars, t'as passé une mauvaise journée, ah mais y'a la touti FIFA sur FIFA ce soir, bim les gars, la journée c'est nickel. Les gars, j'ai une grosse hype, voilà, toute cette merde pour vous dire que j'ai une hype de ouf, ok. Les gars, il y a une nouvelle évolution, les gars, qui est sortie d'attaque pour la Tochi, ok. Est-ce que le micro, il marche? Est-ce que le micro, il marche? Le micro, il marche, parfait. Les gars, voilà, nouvelle évolution d'attaque pour la Tochi. Dans cette vidéo, je vais vous dire, du coup, quelles sont les cartes à faire évoluer qui sont disponibles directement sur le marché des transferts, ok. Quels sont les critères, comment les faire évoluer et quelle, évolution... prennent les cartes, ok, voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Le petit like comme d'habitude. Venez sur Twitch, Zoola avec deux à la fin, les gars, ce soir, 21h30, je lance le live, j'ouvre plein de packs. J'ouvre plein de packs, il y a moyen que je mette un petit billet parce que... pas quoi dire, les gars, je suis au-dessus, là, je suis hypé. Les gars, là, je suis hypé, ok. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et du coup, on est parti. Du coup, l'évolution est gratuite. Ok, les gars, elle est gratuite. Il n'y a rien à payer. Les critères sont général max 85, vitesse max 89, tir max 88, dribble max 85, physique max 86, poste BU, nombre de styles de jeu exactement 0. Ok, donc franchement, les gars, les critères sont assez élevés. Donc, il y a moyen d'avoir de très très belles cartes. Les cartes, ils prennent quoi? Alors, en termes de vitesse, ils prennent un plus 5, ok? En termes de tir, ils prennent un 5, 6, 7. Ils prennent un 7, les gars, plus 7 en tir. En passe, ils prennent rien du tout. Donc, c'est surtout basé, les gars, sur des attaquants, ok? Vous l'aurez compris. En termes de dribble, ils prennent un plus 3. En termes de défense, ils prennent un plus 1. Et en termes de physique, ils prennent un plus 4. Les gars, donc, honnêtement, c'est pas mal, ok? Ils prennent un playstyle ou ils prennent pas un playstyle? Du coup, on va voir ça de suite. Donc ils prennent voilà plus d'un frappe, plus 3 en endurance, plus 4 en agressivité, plus de vitesse, plus de frappe, plus un dribble, plus 6 détente, plus 6 force ici. Et là encore une fois, plus 3 de vitesse, donc c'est beaucoup, plus d'un frappe, plus 2 de dribble, plus 6 en précision de tête. Et là ils prennent un style de jeu plus les gars, donc c'est un playstyle tête puissante, ok. Donc voilà tout simplement. Du coup les frérots, on se retrouve sur Footwiz. Regardez les gars, je vous montre, j'ai tout préparé les gars, moi j'ai tout préparé. On est sur Footwiz et je vais vous montrer du coup quelles sont les meilleures cartes à faire évoluer pour cette évolution spéciale Tochi. Pour commencer, vous avez donc le petit Ciro Immobile, les gars, meilleur buteur de la Lazio Rome, de toute l'histoire de la Lazio Rome. Vous prenez la carte régulière à 85, vous êtes tous fortement packés ce soir avec tous les packs qu'il y a. Et vous la faites évoluer, les gars, à 88, ce qui donne 90 de vitesse, 93 de tir. Très très belle frappe en termes de passer un buteur, ok. Physiquement, voilà. Et en termes de dribble, les gars, il est ok. Donc honnêtement, voilà, les gars, c'est une carte gratuite. Si vous êtes italien, si vous aimez la Lazio, Ciro Immobile fait partie des meilleures cartes à faire évoluer. Mais pour moi ça ne sera pas les meilleurs parce que je pense qu'il y aura des meilleures cartes à faire évoluer et que je vais vous montrer de suite. Alors, vous avez Diogo Jota, ok, donc vous prenez la carte régulière et vous la faites évoluer en cette carte là. 4 et 5, 4 de GT et 5 de mauvais pied, c'est magnifique. Rapide, en termes de frappe c'est ok, en termes de passe c'est ok, en termes de dribble c'est ok, en termes de physique les gars c'est encore... Là les gars, cette carte là est meilleure que Ciro Immobile, je vous le dis. Physiquement il est limite plus fort que Ciro Immobile les gars. La carte est très très belle, les mecs. Diogo Jota, il a une carte magnifique. Pour moi, ça vaut largement le coup de faire évoluer Diogo Jota dans cette évolution qui est du coup gratuite. Hein. Donc, si vous avez toujours Rutor, les gars, la carte que vous avez, que vous devez gagner dans les SBC objectifs, je crois que c'était objectif. Les gars, si vous l'avez toujours, on sait jamais, ok. Vous pouvez la faire évoluer en cette carte-là qui est magnifique. 4 de GT, 5 de mauvais pied, 92 de vitesse, très grosse frappe, pas de points faibles. En termes de passe, il a la passe courte, c'est nickel. Il a la vista un peu 80. En termes de dribble, il fait 1m82, donc c'est normal. Mais les gars, il est très très bon. 99 de tête, 93 de détente, l'endurance, la force, l'agressivité, les gars. Très belle carte de Rutter. Il est français en plus de ça, les gars. On aime bien les français automatiquement. Donc voilà, les gars. Du coup, on est français, on aime bien les français, c'est logique. Et du coup, ben voilà, les gars. Rutter, très très belle carte à faire évoluer. Alors oui, les mecs, elle était disponible dans les SBC. Oui, je sais bien, les gars. Mais au cas où, s'il y en a qui l'ont, les gars, la carte est incroyable. 93 de vitesse, 91 de frappe. En termes de passe, c'est très ok. En termes de dribble, c'est vraiment très ok. Elle a 95 de tête, 86 d'endurance, 93 de force, 95 de détente. Les gars, la carte est très très belle. Le seul bémol, c'est 3 de mauvais pieds. Mais les gars, pour ceux qui l'ont, évolution gratuite, 8 et mal, les gars, franchement, la carte, elle est incroyable. Je me rappelle, j'avais pas fait son avis SBC parce que je m'en battais les couilles, les gars, de la carte. Honnêtement, les gars, c'était nul. Franchement, c'était sec. Encore une fois, ce n'est pas une carte qui est disponible via le marché de transfert, mais du coup, objectif ou SBC, les gars, je sais plus c'était quoi, objectif ou SBC, je crois que c'était objectif.
Vous l'avez, double 4, très belle vitesse, très belle frappe. En termes de passe, c'est meilleur que presque tout le monde qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ça manque un peu d'équilibre, mais sinon le reste c'est ok. Un peu de calme aussi, on va pas se le cacher. Mais niveau physique, les gars, 99, 99, 99. La carte est très très belle, double 4. Très très belle carte, mais pour moi les gars, Diogo Jota reste quand même largement au-dessus par rapport à cette évolution-là. Vous aimez tous Aubameyang, les gars, dans ce jeu, vous l'aimez tous Aubameyang. Si vous avez sa carte boot, vous pouvez le faire évoluer. En cette carte-là, 93 de vitesse, 92 de tir. En termes de passe, c'est ok. En termes de dribble, il est très fort. Ça manque un peu d'agilité d'équilibre, mais il fait 1m87. 93 de tête. Ça manque d'endurance, on va pas se le cacher. 98 de détente, 84 de force. Pas beaucoup d'agressivité. La carte est très très belle, les gars. Double 4. Voilà, si vous avez le boost, vous pouvez faire évoluer la carte d'Aubameyang comme ça. Ça me rappelle un peu les Aubameyang d'avant en régular. Donc, les gars, honnêtement, voilà, y'a rien à dire. La carte est très très belle. Mais pour moi, Diogo Jota reste largement au-dessus. Vous avez Castellanos, les mecs. Vous prenez le boost, vous avez cette version-là. Mais franchement, double 3, ça vaut pas le coup, même si la carte est très très belle. Vitesse, tir, pas, dribble, ça manque un peu d'équilibre. Sinon, voilà, 87 d'endurance et tout, les gars. La carte est très très belle, mais le double 3, il me fait un peu chier, donc je sais pas si ça vaut véritablement le coup. Pareil pour Nicolas Jackson, mais bon, double 3, les mecs, ok, ça fait un peu chier. Franchement, les gars, double 3, ça fait un peu chier. Memphis Depay, vous prenez la carte régulière, vous avez cette carte-là. Il a 5 de GT, 3 de mauvais pied. Vitesse, ok. En termes de tir, ok. En termes de passe, c'est très ok. En termes de dribble, ok. En termes de, petit message les gars, de, hop, en termes de défense, très ok. Et en termes de physique, c'est aussi ok. Vraiment, c'est ok les mecs. Donc, moi, je vous conseille vraiment de faire Depay. Diogo Jota, Depay, pour moi, c'est les meilleures cartes à faire évoluer. Sachant que du coup, ben, c'est deux cartes moins chères parce que c'est pas des boosts ou quoi. C'est des cartes directement que vous pouvez même packer à l'instant T là, maintenant les mecs. Les frérots, vous avez donc aussi Cody Gakpo. Voilà, Cody Gakpo, double 4, 90 de vitesse, 92 d'accélération, 89 de vitesse. En termes de frappe, c'est très rapide. En termes de passe, franchement, c'est correct. Ça manque un peu de passe longue, mais c'est un buteur. Donc, c'est normal. Fait attaquant, buteur. Il peut jouer à gauche. Il est rapide pour jouer à gauche. Et pour moi, c'est plus un buteur, hein, avec sa frappe et tout. En termes de dribble, les gars, il fait 1m89, mais il est très, très bon en dribble. Et physiquement, ça tient la route. Ok. L'endurance, voilà, peut-être un petit style qui lui fera peut-être augmenter l'endurance, les gars. Mais Cody Gakpo, franchement, les gars, très, très belle carte, sérieusement. Donc, si vous voulez le faire, je vous le conseille aussi. Je sais pas si sa carte Ice et Fire est pas un peu meilleure, mais bon. Les gars, franchement, là, c'est gratuit, donc pour moi, ça vaut le coup, mais de ouf. Ajibade, les gars. Ajibade qui peut jouer, du coup, attaquant, attaquant gauche aussi. Double 4, très rapide. En termes de frappe, c'est très correct. En termes de passe, bah, pas fou, les gars, mais comme tous les buteurs, hein, j'aime vous dire, les gars, depuis tout à l'heure, il n'y a pas que des gros passeurs. Hein. En termes de dribble, voilà, il fait quand même 1m60. Ça fait quand même chier d'avoir 80 d'agilité, je vous dis la vérité, mais... Toutes les meufs qui font 1m60 n'ont pas d'agilité ou d'équilibre, les gars, c'est un truc de fou. Voilà, sinon elle a le physique, elle a l'endurance, la force, pas l'agressivité par contre, un peu de tête et tout. Les gars, elle peut être pas mal, voilà, pour ceux qui sont fans de jouer avec des meufs. Ajibade, honnêtement, elle a une belle petite carte. Alors oui, elle a que 3 de mauvais pieds, mais les gars, franchement, très belle vitesse, très belle frappe. En termes de passe, c'est une des meilleures qu'on a vu depuis le début de la vidéo. En termes de dribble, 1m71, ça manque un peu d'agilité, d'équilibre, de réactivité, ok, je suis d'accord. Mais sinon, voilà, balle contrôle 89 et conduit de balle et dribble 89, quoi. Physiquement, les gars, c'est très très fort. La tête, c'est très très fort. Voilà, les gars, chez Ila, pour ceux qui ont déjà la boost. Alors, je vous conseille pas d'acheter la boost et faire évoluer, les gars, ça ne servira strictement à rien. Mais si vous avez la boost, au cas où vous la paquez, les gars, pourquoi pas la faire évoluer. Soit ça fait un Prodos à 86, soit ça fait une carte très très très, très jouable à 86. Ça vient de faire un Prodos, bien évidemment. Mais les gars, si vous l'avez, voilà, pourquoi pas la faire évoluer, ça peut être pas mal. Ce n'est sûrement pas la meilleure. Donc, les mecs, là, il y a de très très belles cartes en vrai de vrai. Mais le problème, c'est qu'ils ont tous 3 ou 2, 2 ou 3. Vous voyez, les gars, ça sert strictement à rien. Vraiment, c'est strictement à rien. La Bouanga, mais qu'il a, les gars, il est incalable, quoi. Bouanga, même si bon, il est quand même très fort. Ferran Torres, ouais, mais pour moi, c'est pas aussi fort que ça. 86 de dribble, je pense pas qu'il ait une grosse carte. On va regarder dans le temps, mais je pense pas, honnêtement. Ouais, si, les gars, franchement, si, ça peut le faire. Mais voilà, c'est vrai que je préfère mieux Diogo Jota et tout, je dis la vérité. Mais Ferran Torres, ça peut le faire, les mecs, en vrai de vrai. Je pense que là, on est sur la fée. Après, c'est des bonnes cartes, c'est pas les meilleures. Donc, ça, rien que je vous les montre. Vous avez Malen, les gars, pour ceux qui ont pas le Malen R9, apparemment, comme tous les streamers disent. Alors que c'est faux, les gars, j'utilise les bons, mais c'est pas non plus un crack. Voilà, vous avez Malen aussi, les gars, double 4. Il peut avoir une belle carte aussi. Malen, très très belle carte, les gars, Malen. Donc pourquoi pas. Et plus on descend, plus il y a des cartes qui sont pas ouf. Hein. Lookman, 69 de passe. J'ai bien peur. On va quand même regarder. Ok, ok, ok. On va dire, les gars, on va dire ok. Ok, manque d'endurance. Mais les gars, la carte de Lookman est belle. La carte de Lookman est belle, les frérots. Donc, si vous l'avez, franchement, Lookman est très très beau. Mais le problème, c'est que, ben voilà, se faire évoluer une carte à 81 dans cette évolution-là, à part si vous êtes Nigérien ou si vous kiffez Lookman, je pense pas que ça servira à grand-chose en vrai de vrai, des mecs. Ok.
C'est une bonne carte que vous pouvez recycler dans un SBC, sachant que c'est même pas une carte qui va durer un mois, quoi. Donc voilà, vous avez Philippe Anderson, comme d'hab, qui est bon, Martin Terrier. Le reste, les gars, voilà, c'est des cartes qui vont pas durer dans le temps. Donc, je pense qu'on a tout fait, les mecs. Je crois qu'on a fait le tour. Félix, qui est bon aussi. Félix aussi, mais il a tellement de cartes à 84 avec les mêmes étoiles et tout que c'est. Il y en a beaucoup, quoi. Mais Félix, c'est bon aussi. Voilà, les gars, Félix, pourquoi pas aussi. Une carte similaire à Diogo Rota, une carte similaire un peu à tout le monde. Donc, voilà, les mecs. Donc voilà, j'aime plutôt regarder. Et jamais si j'en loupe un, parce que j'ai pas envie de vous. Ouais, non. Après, voilà, c'est 82 de vitesse. Elle est deux partout, les mecs. 78 de shoot, en tous les cas. Non, non, les gars, voilà. Je crois qu'on est, on est bien là. Je crois qu'on est bien. L'orienté aussi, pour moi, ça manque un peu, ça manque un peu de dribble. Ouais, c'est surtout le calme et l'agilité qui fait que. Ouais, c'est pas la meilleure, les gars. C'est pas la meilleure, mais elle est pas mal. Après, voilà, il y a des cartes pas mal, comme je le dis, mais par rapport à ce que je vous demande de travail, je peux pas vous les conseiller, tout simplement. Donc voilà, les frérots, j'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, les mecs, à me dire qui vous allez faire évoluer. Ça me fait vraiment plaisir. Et nous, on se dit à ce soir, les mecs, 21h15, 21h30, pour un petit live. Enfin, non, un gros live, excusez-moi. On va ouvrir pas mal de packs pour la Tochi, les mecs. Allez, sur ce, I love you so much. Peace and love you. Et Inch'Allah, les gars, on passe tout du Tochi. On pack tous du Tochi, Inch'Allah.